merci, notre Père, pour l'homme d'exalter en tout temps aujourd'hui, pour cette grâce que tu viens nous accorder. Combien nous sommes heureux de pouvoir être là, dans ta maison pleine, pouvoir être en glorifié ton Saint-Nom. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être béni. Ah, tu es digne d'être adoré, mon Sauveur. Tu as connu nos pas dans ces lieux. Oh Dieu, nous prions comme David nous prier. Je suis dans la joie quand tu me dis, allons dans la maison de l'Éternel. Nous tenons dans cet endroit, nous savons que tu es vivant, Seigneur. Tu viens nous visiter, mon maître divin. Tu as connu vraiment la grâce de pouvoir réaliser combien tu es tellement si puissant, mon Sauveur. Oh, ta parole, ta grâce, vous venez de pas de l'histoire. Tu environnes par derrière et par devant, vous venez de mes personnes. Nous conduis réellement dans ta voie, toi, que tu as établi, vous venez de pas de l'histoire. Nous te disons merci encore, Père. Le chant de l'écantique qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père Saint. Oh Dieu, pour la joie d'être réellement à toi encore aujourd'hui, Père Saint. Louange et honneur à toi, toi qui ne changes au point, Père. Bénis ton peuple, Père, et nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion. Ce soir encore, venez même pas de mise en différents endroits. Qu'ils soient bénis, Père. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance et la gloire. Nous te remercions pour ton amour, venez même pas de mise en la grâce d'être à toi, mon Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais savoir pourquoi je ne vois pas le micro dont j'ai toujours eu l'habitude de pouvoir voir ici. Mon frère Guillaume, je voudrais que tu fasses le nécessaire, que tu ramènes le micro ici. Tu es que tu sois ton frère Michael, que vous puissiez le ramener ici. Si vous pouvez ramener le micro ici, ce serait très gentil. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Remercions notre Dieu pour la grâce qui nous apprend de pouvoir de trouver encore dans sa maison. Et comme mon précieux frère l'a dit, ton psaume qui purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Nous implorons la grâce de notre Dieu qui nous aide, qui nous dira ce que nous puissions lui être fidèles pour toutes choses et marcher réellement selon sa parole. Qui nous aide afin que nous puissions emboîter les pas dans les choses dans lesquelles, lui, il se donne montrer et nous parler de plus en plus de manière à ce que nous apprenions de lui et que nous puissions réellement reconnaître quelle est sa parfaite volonté afin que nous nous appliquions réellement à pouvoir nous mettre dans la voie dans laquelle lui il a voulu que nous soyons. Nous l'avons entendu comme l'Écriture le fait savoir que nous sommes le troupeau de son pâturage que sa main puissante conduit. Et nous nous réjouissons réellement de ce que nous sommes appelés à être ce troupeau que le Seigneur lui-même conduit jusqu'à ce jour. Et c'est aussi notre assurance, effectivement, parce que là, nous réalisons aussi que nous sommes ses brebis. Et étant donc ses brebis, il est donc le bon berger qui réellement s'est donné pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Nous le remercions parce que et quand il est le berger, il veille aussi sur ses brebis. Comme l'Écriture le dit, c'est lui qui veille sur Israël, les sommeils et les dents. L'Éternel, c'est lui qui veille sur nous. Et là, nous sommes aussi rassurés, effectivement, qu'il nous conduit vers de vers pâturage. Sur le chemin où nous marchons, nous avons l'assurance, comme la Bible dit, que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Parce qu'il est celui, lorsque nous allons à gauche, il nous ramène effectivement sur la voie. Et là, il est fait effectivement parce que nous lui appartenons. Parce qu'il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que je reconnais comme étant miens. Donc quand le Seigneur nous reprend et qu'il agit effectivement avec fermeté, mais c'est parce qu'il nous aime. J'ai demandé que le micro revienne ici. Mon frère Zaché, mon frère, je voudrais que ça vienne maintenant. Que nous sachions qu'effectivement, qu'il agit pour nous, pour nous conduire effectivement, comme les Saintes Écritures nous le font savoir, je disais, sa houlette et son bâton nous rassurent. Et cela est très important pour nous, que nous sachions que quand le Seigneur agit avec fermeté, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Et quand le Seigneur aussi corrige, c'est parce qu'il veut réellement que nous apprenions davantage dans sa
voie dans laquelle il nous a placés, parce que ce qu'il attend de nous, effectivement, ce que nous soyons soumis à toute chose et que nous marchions selon donc sa pleine volonté. Nous le remercions parce qu'il nous éclaire, il nous conduit, il agit de telle sorte que nous puissions arriver à pouvoir avoir la lumière et vivre effectivement selon cette lumière qu'il nous donne. Je voudrais que nous lisions dans les Saintes Écritures, dans le livre de Amos, au chapitre 8. Cela, nous allons lire Amos au chapitre 8. Amos au chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 11. Amos 8, verset 11. Lisons. Voici donc le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas avant. Nous voulons te dire merci, notre Père. Nous voulons te glorifier encore ce soir, ce que nous avons la grâce d'être dans ta maison pour pouvoir réellement entendre ta voix. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu qui éclaire, le Dieu qui soutient, le Dieu qui parle encore aujourd'hui, Père Saint. Notre cœur se repose sur toi. Notre âme a réellement foi et confiance en toi, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Combien nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui encore, tu demeures le même hier, éternellement, oh Père Tout-Puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père Tout-Puissant. Tu ne changes au point, mon sauveur. Et nous sommes vraiment consolés quand nous lisons ta parole à toi. Et aussi nous entendons encore ta parole, mon bien-aimé Père Saint. Reconfortez nous le sommes, Père. Bénis tous ces âmes, mon bien-aimé Père Saint. Bénis ces frères et sœurs, mon sauveur, qui de tout leur cœur s'accrochent vraiment à toi et désirent réellement te connaître encore davantage. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment glorieux. Tu es vraiment tout-puissant. Agis encore ce soir dans nos cœurs et parmi nos pères par ta parole puissante pour roi, car nous t'avons ainsi prié de tout notre cœur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme on veut de pouvoir le lire dans le livre Amos, effectivement. Et c'est le Seigneur lui-même qui le fait savoir ici, qui le déclare en disant que voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel. Et ce jour, effectivement, doit venir parce que Dieu l'a dit. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir voir la manière dont Dieu déploie effectivement aussi le tableau pour que nous comprenions en réalité les événements qui doivent se dérouler en réalité dans ce jour dont il annonce effectivement l'événement. En réalité, comme il est dit, voici les jours, vient dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai donc la famine dans le pays. Et c'est lui qui est donc l'auteur, effectivement, de ce qui va se passer, effectivement, en rapport avec les événements qui se tiendront, effectivement, dans le temps. Vous souvenez que nous avons eu à pouvoir entendre, je pense, ce dimanche, montrant, effectivement, le temps dans lequel nous nous trouvons. Je pense que nous n'avons pas pu le dire, mais seulement nous avons eu à pouvoir entendre que nous sommes dans le temps. La fin de l'âge de l'Odyssée, et nous avons pu voir effectivement aussi tout ce qui a autour, effectivement, ce qui concerne aussi la condition. Et c'est là que l'apôtre Paul, dans le livre de Timothée, quand il prend effectivement les Écritures et pour nous montrer en réalité l'action, les temps, effectivement, et ce qu'il en est, il dit ceci, je crois que c'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée 3 que nous avons lu avec vous. Et que nous comprenions cela dans Timothée, je pense. Dans 2 Timothée, chapitre 3. Et ceci. Parce que nous venons de lire avec vous, donc, à mon chapitre, donc, chapitre 8, nous avons lu le verset 11, et aussi le verset 12. Alors ici, il dit.
2 Timothée 3, verset 1, il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, c'est effectivement aussi les derniers millénaires dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Alors on dit, car les hommes seront donc égoïstes, amis et de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ayant donc l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et là, nous avons lu effectivement, il dit, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. Amen. Et certainement, c'est vrai, frères et sœurs, de ce que nous pouvons observer, comme nous l'avons lu aussi avec vous, c'est vraiment aussi dans ce temps en question, donc, les Saintes Écritures et l'apôtre Paul vont encore plus loin en insistant, en disant effectivement que oui, ils se donneront une foule de docteurs, effectivement, et se tourneront vers les fables, ainsi de suite. Alors, il dit ici, effectivement, qu'il y aura une famine, effectivement, à la disette, effectivement, du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vous êtes avec nous, vous pouvez voir effectivement que nous sommes dans un temps tout à fait particulier, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, vous pouvez voir, même sur les chaînes effectivement que vous avez sur Internet, que vous pouvez regarder, il y a des événements dont, quand vous regardez, vous posez parfois des questions. Je voudrais que vous puissiez réaliser ceci. Comme l'Écriture le dit, que notre Seigneur Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'il est le grand je suis, toujours présent. C'est un Dieu qui connaît effectivement la fin avant le commencement. J'aime dans les Saintes Écritures si le livre d'Apocalypse. Quand nous lisons l'Apocalypse et nous prêtons attention, nous écoutons comment les paroles sont annoncées, comment Jean pouvait déclarer en disant, d'abord le premier verset suppose cela, il nous dit quelque chose là, chapitre 1 d'Apocalypse, je pense, le verset 1, il dit chose, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Donc, la révélation, c'est pouvoir réellement annoncer et dire les choses qui doivent arriver effectivement et qui sont effectivement écrites. Et le Seigneur, effectivement, dans les Saintes Écritures, a eu à pouvoir annoncer et dire effectivement les choses qui allaient réellement prendre place dans le temps, jusqu'au temps dans lequel nous nous trouvons, donc à l'âge effectivement de la fin où nous sommes. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, il a dit une chose. Matthieu, chapitre 24. Je pense que c'est ça. Vous vous souvenez comment les disciples lui ont posé la question, vous voyez quelques versets, verset 1 dit, Matthieu 24, verset 1 dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, il ne soit renversé.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera donc le signe de ton avènement et de la fin, et de la fin du monde? Jésus donc leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. N'est-ce pas? Amen. Donc, regardez bien comment le Seigneur a commencé à pouvoir réellement parler. Nous l'avons lu d'après vous dans Amos 8, versets 11, 12, 13, effectivement. Il dit qu'effectivement, vous avez remarqué comment l'Écriture dit, nous pouvons revenir vite là-dessus. Regardez bien. Il dit que les gens verraient une famine, effectivement, la disette, qui ne sera pas la famille de pouvoir avoir le pain, et la soif de l'eau. Dans Amos chapitre 8, Amos chapitre 8. Voilà. Regardez bien. Voici le jour vient, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Amen. Donc là, nous avons lu avec vous, effectivement, dans Matthieu, il dit, mais c'est le rang beaucoup, effectivement, qui diront, voici, je suis celui-ci, je suis le Christ, ainsi de suite. Il dit, il y aura donc à plusieurs viendront donc sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens ainsi. Et quand nous descendons encore plus bas encore, il dit, lorsqu'il arrive à pouvoir effectivement aussi décrire ce qui allait se passer, et puis on voit au verset 21, il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement. Matthieu 24, verset 21. Depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il continue en disant, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Amen. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et remarquez, frères et sœurs, la manière dont le Seigneur parle, parce qu'il répond aux questions qui lui ont été posées par ses propres disciples. Et là, il montre effectivement, il répond en montrant le déroulement effectivement des événements jusqu'à la fin. Et maintenant, il dit, mais à cause des élus, si les jours n'étaient pas abrégés, il dit, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Il dit, mais si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Écoutez bien. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Aujourd'hui, dans les domaines religieux, mon frère et ma soeur, vous, qui êtes des gens qui sont connectés, rebranchés dans votre monde, quand vous allez sur l'Internet, effectivement, vous allez trouver un grand nombre, aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Beaucoup de ceux qui sont en scène aujourd'hui, mais qui se font appeler beaucoup de prophètes. Et vous allez le voir, effectivement. Les gens, ils vont dessus, effectivement. Et quand ils regardent, effectivement, ces gens, ce qu'ils font, alors on dit, mais mon Dieu, ne serait-ce pas quand même Dieu qui est là en train de vouloir faire? Et on voit aujourd'hui, mon frère et ma soeur, beaucoup de gens et des foules, effectivement, sont attirés. Et sur les chaînes Internet, effectivement, on a fait tellement de publicité qu'effectivement, que la plupart des gens, beaucoup de gens, et on voit comment ils affluent, effectivement, dans cette église, à gauche et à droite, effectivement, qui font que quand ils y vont, ils pensent qu'effectivement, que, oh, mais oui, mais ici, réellement, c'est Dieu, parce que ces prophètes en question, comme ils s'appellent, effectivement, et ils font comme les autres gens, entendu, qu'ils font voir les visages sur les documents, si c'est les pages, je ne sais pas comment on appelle les tablettes, je suppose, des choses comme cela. Et qu'ils font tellement de choses là-bas que les gens voient ceci, les gens voient cela, ainsi de suite. Le monde entier, effectivement,
Et vraiment, dans cette reprise, en fait, ce sont des choses que le Seigneur avait réellement prévues. Que ces choses prendraient réellement place dans les temps dans lesquels nous vivons. Maintenant, regardez, frère. Tous ces hommes et les femmes que vous voyez qui vont dans ces endroits-là, observez très bien. Quand ils vont parce qu'ils croient réellement que là où ces hommes-là se trouvent, c'est vraiment là où Dieu se trouve, parce qu'ils voient des signes, ils voient des miracles. Ils ne vont pas pensant que c'est le diable qui est là, non. Ils vont parce qu'ils disent, mais que là nous savons que Dieu est là-dedans. Donc ils vont parce qu'ils pensent que Dieu est là, ils veulent voir effectivement ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Regardez, ils vont avec ce désir pour réellement voir ce qui se passe et surtout aussi entendre. Mais quand vous allez sur ces genres d'endroits, comme ces églises-là, effectivement, qui sont sur les chaînes, que vous avez l'occasion de voir, prêtez juste attention. Vous verrez effectivement que l'accent est surtout mis sur quoi? Sur les miracles. Ah oui, sur les miracles et sur les soi-disant prophéties. J'ai entendu un qui disait, oh, je vois, je prophétise, effectivement, je vois, je vois, je vois. Donc il a fait la vision, je vois l'Angleterre en train de brûler quelque part. Donc, et ça doit se passer quelque part dans un coin, l'Angleterre brûlée. Oui. Donc, ils ont des prophéties, effectivement, parce qu'ils sont des prophètes. Et ils doivent, effectivement, aussi prophétiser. Et sur les prophètes, effectivement, ils doivent faire, effectivement, beaucoup. Et le Seigneur a dit ici, regardez très bien, nous lisons, effectivement, dans Matthieu 24, regardez ce qu'il a dit. Il dit, verset 24, il dit, « Car il s'élèvera des faux points et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles. » Vous suivez? Et puis, il dit, « Au point de séduire. » C'est pour dire que c'est tellement si près, amen, tellement si vrai. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, soyons quand même sincères, quand on va sur les nets, comme on appelle, sur Internet, effectivement, on voit tout un bataillon. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de prophètes. Et quand on voit ce qu'ils prétendent faire, effectivement, mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe effectivement? Et les gens réellement, ils croient parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas qui a demandé et des dieux. Je veux voir comment les gens sont secoués, comment les choses se passent là-bas. Et aujourd'hui, les gens sont sûrs et certains que c'est vraiment Dieu. Et le Seigneur a dit, ils feront des grands prodiges et miracles au point de séduire. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le Seigneur l'a dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc c'est tellement si près. Vraiment. Alléluia. Et tellement si près de la vérité de réalité que quand on voit dire, mais ça c'est quand même de Dieu. Amen. Parce qu'on dit bien que au point de séduire, s'il était possible. Donc, c'est important qu'ils le saisissent. Le Seigneur a dit, s'il était possible, même les élus. Donc, si on enlevait, s'il était possible, donc on reste avec eux, même les élus. Vous suivez? Donc, il y a, s'il était possible, qui est entre les deux. Vous comprenez cela? Donc, si le Seigneur l'a dit, effectivement, c'est que la chose est tellement si près. Amen. Mais alors, pourquoi est-ce que les élus ne seraient pas séduits? Parce qu'ils font des grandes choses, maintenant, des miracles, des preuves, effectivement, que quand on voit, on dit, mais ah là là, mais Dieu est là-dedans. Mais il dit, mais ça pourrait même séduire, même lui, si cela était possible, les élus seraient séduits. C'est pour que vous compreniez, frères et sœurs. La grande masse, effectivement, des hommes sur la terre va aller dans cette direction. Parce que les hommes aiment sensation. Les hommes aiment bien voir, effectivement, les choses qui montent comme une étoile, effectivement. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut que vous vous examiniez bien, frère. Amen. Parce que la Bible dit, ils iront ça et là, certainement.
Ces hommes et les femmes, effectivement, qui courent après le Shabbat, ils cherchent quoi? Mais ils cherchent entendre la parole de Dieu. Parce qu'ils cherchent Dieu, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ils iront, ça et là, effectivement. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Regardez très bien, vous pouvez le dire avec vous. Regardez. Amos. Chapitre 8. Voilà. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Parce que ces hommes et les femmes, effectivement, ils cherchent quoi? Le salut, n'est-ce pas? Amen. Et quand ces gens-là sortent, effectivement, il ne faut pas vous dire que nous sommes serviteurs de Satan. Non, monsieur, c'est sûr que non. Ils diront certainement qu'ils sont des serviteurs de Dieu, prophètes. D'ailleurs, c'est à la mode aujourd'hui, hein. Prophète. Effectivement, et les gens ont tendance là, et ils suivent. Et c'est vraiment la confusion de l'Écriture, parce qu'il dit, mais c'est vraiment des faux prophètes. Et ils sont nombreux aujourd'hui, effectivement, sur la toile. Et les gens courent après, effectivement, parce que quand on entend qu'il y a un prophète de Dieu, c'est qu'un prophète prophétise. On vient parce que le prophète a la parole. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que vous avez vos ordinateurs, vos téléphones. N'est-ce pas vrai? Sur Internet, vous y allez. C'est là que vous puisez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vous y allez, vous tapez là, à gauche, à droite, vous le voyez, puis bon, les yeux s'ouvrent, puis on voit effectivement. Donc, vous êtes tous effectivement aussi, je te dis, dans ce domaine-là. Parce que nous sommes effectivement dans ce monde. Même si vous dites que nous ne sommes pas comme ça, il y en a des gens qui sont les nôtres. Amen. Donc, c'est quelque chose dans lequel le mouvement se trouve. Écoutez-moi, frère. Et la pression se trouve aussi. Et l'Écriture dit, le Seigneur l'a dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc tu te dis, je suis élu, mais le Seigneur dit, mais c'était tellement si près que même un élu pourrait être ici. Parce que c'est si près. Pourquoi il ne faut pas battre la patrie? Amen. C'est tellement si près. Parce que tu es là assis, tu dis, oh moi, non, parce que non, monsieur. Quand tu seras chez toi, sur ta tablette, tout ça, tu vas taper quelque chose, ça va te frapper. Tu vas commencer à te demander la question, est-ce que chez nous, est-ce que chez nous, Dieu? Parce que là, tu es assis, tu dis non, non, non. Il ne faut pas battre la partie de moi, non, non, parce que c'est un esprit. Amen. Si Dieu te parle, il ne faut pas te dire moi non. Dis Seigneur, accorde-moi la force. Amen. Parce qu'il y en a qui hier veulent dire, nous, nous avons cru à la lumière, effectivement. Aujourd'hui, ils sont où? Oui. Ne bats pas ta poitrine. Et prête l'oreille. Amen. C'est important, vous frères et sœurs. Donc là, voyons qu'effectivement, que cela démontre qu'il est vraiment Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Avant que les événements arrivent, il les a prédits. Mais ça, il l'a prédit pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu comprennes d'abord celui avec qui tu parles. Amen. Son autorité et sa capacité, ce qu'il est. Amen. Il a dit, le monde ne me verra plus. Amen. Vous, vous me verrez. Amen. Il y a une grande différence. Et maintenant, on se pose la question, pourquoi? Il a dit, s'il était possible, même les élus seraient séduits. C'est quelque chose qui a été annoncé et qui doit s'accomplir. Et ça doit s'accomplir. Il a ajouté cela en disant, s'il était possible, pourquoi est-ce que les élus ne pourront pas être séduits? Pourquoi est-ce qu'un élu ne peut pas être séduit? Il a dit, si cela était possible,
même les élus se récidivent. Je le répète encore, parce que la taille, effectivement, de la séduction est tellement grande, mon frère, ma soeur. Et ces gens qui se disent, effectivement, des prophètes, ils en font des miracles. Le Seigneur a permis. J'allais et j'embrasse. Vous vous souvenez, messieurs? Nous l'avons lu avec vous, non? Nous pouvons le lire encore dans des Timothée, je pense que ça peut être quoi. Demain, que j'allais et j'embrasse. Vous connaissez l'écriture? Bon, nous revenons, Mathieu. Alors, il dit, mais si cela était possible, les élus seraient séduits. Alors, ils iront ça et là, effectivement, ils ne trouveront pas la parole de Dieu. Parce qu'ils cherchent la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ils vont errer. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, toutes ces masses à gauche, et ce sont des foules, hein, frère. Des foules à gauche, des foules à droite, effectivement, elles vont. Et la parole de Dieu dit effectivement qu'ils séduiront. J'aime bien les séduire. Il dit, bon, ils ont avec moi. Bon, il y a. Nous lirons verset. Oui, mais attends, je crois que nous avons lu verset 24. Oui, voilà. Verset 11 dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront, vous y mettez, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc ça veut dire que des foules, effectivement, beaucoup, c'est. Beaucoup, hein. Ce sont des foules, effectivement, les gens seront donc. Et là, on disons ici, alors ils disent, quoi, c'est-à-dire, car il s'élèvera des faux rois et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avant. N'est-ce pas? Amen. Ah, qui est-ce qu'il parlait, est-ce là? Mais il s'adressait effectivement à ses disciples. Vous vous souvenez, non? Oui. Il leur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc il a fait son choix. Pourquoi est-ce que les élus ne peuvent pas être séduits? Tous ces gens qui, à gauche et à droite, effectivement, lorsqu'ils arrivent effectivement dans ces endroits, quand je l'ai dit encore tout à l'heure, qu'est-ce qu'on remarque effectivement? L'accent est mis effectivement sur les miracles, sur ceci, sur cela, jamais sur la chose qui est importante, que les hommes cherchent, la parole de Dieu. Vous pouvez aller sur leur chaîne. Vous pouvez également aussi vous mettre à écouter, effectivement, tendez votre oreille. Si vous voulez vraiment entendre réellement la parole de Dieu, il n'y a pas la parole de Dieu. Non, monsieur, il n'y a pas. Ils vont vous raconter ce que nous, on sent des mentors, un mentor est celui qui va faire ceci. Il n'y a rien qui est. Est-ce que dans la parole de Dieu, vous trouvez ce qu'on appelle des mentors? Il n'y a pas de mentor. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens-là? Parce que, regardez une chose. En rapport avec ce prophète, voilà ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures, je vais prendre un livre de Jérémie, au chapitre 23. Jérémie 23. Et dit une chose, je pense que le verset 28 dit que le prophète qui a eu un son, raconte ce son. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Amen. Donc, pour rapporter la parole de Dieu, il faut d'abord l'avoir entendue. Maintenant, nous lisons ici, effectivement, au chapitre 23, il dit ceci, verset 16, il dit: ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les paroles de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel?
pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue. Voici la trompette de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fonce sur la tête de méchants, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir leur mauvaise voie. Mon frère et ma soeur, le Seigneur n'a jamais mis l'accent sur le miracle. Amen. Non, messieurs. Qu'est-ce qui fait la différence, effectivement? Regardez bien. Dans l'écriture, nous avons lu, effectivement, dans Matthieu, au chapitre 24. Regardez, nous pouvons retourner pour que nous puissions voir ce que le Seigneur montre à ses disciples. Chapitre 24. Il dit, verset 25, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il a inséré quelque chose. Et puis plus bas, qu'est-ce qu'il dit? En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les ailes. Amen. Vous avez remarqué? Il a dit quelque chose, et plus bas, il cite quelque chose qui était aussi important. Mais en quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les élus. Je vous ai posé la question tout à l'heure, effectivement, en disant, mais pourquoi les élus ne seraient pas séduits? Qu'est-ce qui fait qu'un élu ne soit pas séduit? D'abord, qu'est-ce qui fait qu'un élu soit un élu? Comment est-ce que tu sais d'abord que tu es un élu? Par quel moyen, toi, tu peux savoir que tu es un élu? Voyez, mon frère et ma soeur, combien c'est vraiment important de pouvoir prêter attention aux choses de Dieu pour que nous soyons rassurés dans notre marche de tous les jours et surtout dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Vous avez remarqué qu'effectivement que dans les Saintes Écritures, nous l'avons lu avec vous. Je pense à l'Ithessalonicien, je pense que c'est cela, hein, à l'Ithessalonicien, je pense que c'était celui-là ou un autre, pour que vous le trouviez avec vous. Je pense que c'est cela. Oui, mais c'est le chapitre 30. Merci. Ah, c'est le chapitre 1, verset 1, il dit, Paul et Sylvain, Paul Sylvain à Timothée, à l'église de Sylvain, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient donc tous. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Vous vous souvenez? N'est-ce pas? Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre fermeté, votre amour, pardon, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, Dieu, que vous avez été élu. N'est-ce pas vrai? Donc, cet homme de Dieu nous dit qu'effectivement, il sait que vous avez été élu. Nous l'avons lu. Comment est-ce qu'il pouvait être poussé à dire effectivement à ce peuple-là que nous savons avec certitude que vous avez été élu? Parce que s'il a dit, c'était pas lui, c'était Dieu. Amen. N'est-ce pas? Et il s'adressait ici effectivement aux Thessaloniciens. Vous vous souvenez, il dit, mais notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'esprit et avec une pleine persuasion, car vous n'y aurez pas
que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous, ainsi, ainsi. Et puis il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, ici de Jésus-Christ, Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Parce que dans l'autre chapitre verset, effectivement, chapitre 2, dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Le signe que vous l'êtes, mon frère. L'élection de Dieu se manifeste parce que, vous savez, dans l'équité, que nous avons été élus par lui avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous avons entendu dans cette écriture. Mais comment cette élection se manifeste aussi en nous? Comment on peut avoir l'assurance que nous le sommes? L'écriture le dit. Paul l'a dit effectivement. Quand nous vous avons prêché la parole de Dieu, vous l'avez reçue cette parole, non pas comme une parole d'homme effectivement, mais comme étant la parole de Dieu. Comme évidemment, qui agit en vous qui croyez. En fait, un croyant a quelque chose de particulier, c'est l'amour de la parole de Dieu. Amen. Écoutez, s'il vous plaît, frères et sœurs. S'il vous plaît. Les signes et les miracles ne sont pas la chose qui peut attirer davantage un élu. Amen. Mais ce qui attire un élu, c'est la profondeur qui vient de la parole, mon frère. Alléluia. Oui, monsieur. Parce que le Seigneur l'a dit dans la Sainte Écriture en disant, plusieurs viendront à ce jour et diront, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Ce n'est pas des élus, mon frère. Les élus ne parlent pas comme ça. Amen. Parce qu'il dit, mais, qui leur dirait ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça, il ne peut pas le dire à un élu. Non, messieurs. Parce que un élu est une partie de la parole de Dieu. Amen. Un élu, il ne suit pas le Seigneur parce que le Seigneur fait des miracles, messieurs. Amen. Pierre l'a dit, s'il vous plaît. Quand tous les autres qui étaient venus, ils le voyaient le Seigneur parce qu'il fait des miracles, effectivement. Ils l'ont suivi. Et ce jour-là, il s'est tiré des médicaments. C'est lui qui mange ma chaîne et boit mon sang. Il leur apprend la vie. Vous vous souvenez, non? Ils sont partis. Il s'est tourné vers les médicaments. Pourquoi vous aussi, vous ne partez pas? Mais oui. C'est Pierre qui a répondu. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit, mais à qui nous on a fait les miracles avec toi? Non. À qui il nous d'autre qu'à toi? Amen. Car c'est de toi Amen. Que viennent les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut que vous soyez prudents. Amen. Vraiment, amen. L'accent n'a jamais été mis sur les miracles, monsieur. L'accent doit être mis sur la parole. Amen. Et l'élu ne cherche pas les miracles. Amen. Ils iront ça et là. Ils diront, je ferai quoi qui? Ils auront soif et faim d'entendre quoi les miracles? La parole de Dieu, monsieur. Amen. Parce que ce qui fait vivre, ce ne sont pas les miracles, monsieur. C'est pourquoi quand vous regardez les choses, quand vous allez passer, c'est pourquoi les gens sont tellement stimulés, ils aiment bien les sensationnels. Et l'élu est différent, monsieur. Ce n'est pas le sensationnel qui intéresse l'élu. Hein. Non, monsieur. Bon, parce que vous n'avez pas prêté attention, puisqu'il a dit, en quelque lieu que soit le corps. Là, ça sembleront les ailes. Amen. Nous avons entendu une autre voix, effectivement, alors que l'aigle ne va pas là où le vôtre. Où il y a des choses à varier, effectivement. De l'aigle, il va là où c'est la viande tout à fait fraîche. Il sait. C'est cela qui l'attire. Voyez pourquoi les gens
vont à gauche et à droite dans différentes églises, en fait, certainement. Et c'est vrai, ils peuvent se trouver dans différents endroits. Et le diable sait arriver à pouvoir aussi attirer d'une certaine manière, parce que l'homme aime la sensation. C'est vrai. Si tu es fatigué, mon frère, lève-toi, va dehors, marche un tout petit peu et puis reviens. L'homme aime la sensation. Mais ce qui est de particulier, selon l'élu, c'est que l'élu a la même nature, effectivement, que l'auteur de la vie, c'est-à-dire Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi ce qui est dans Dieu se trouve dans l'élu. Amen. C'est pourquoi l'élu ne marche pas comme tous les autres, messieurs. Non, messieurs. Il est particulier parce que ce qui est en lui, en fait, il y a comme une sonnette d'alarme. Quand ceci n'est pas de Dieu, même si le ciel est secoué, il dit non, 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 non. Ça, non. Amen. Ah oui. C'est pourquoi Élie, quand il s'était né là, effectivement, il dit, mais invoquez-le parce qu'il fait beaucoup de choses avec vous. Le Dieu qui répondra par le feu. Amen. Il dit, faites ce que vous voulez, mais invoquez-le, priez-le. Il savait que le Dieu qui tient le feu, c'est Dieu du ciel. Amen. Il dit, mais invoquez votre Dieu. Ils ont tout fait. Ils étaient nombreux, monsieur. Il était seul. Vraiment. Frère, ce n'est pas la foule qui doit vous attirer. Amen. Il doit y avoir quelque chose de très important. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Même si vous les voyez des milliers qui vont secouer les bancs, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Amen. Là où Dieu se trouve, là se trouve la parole. Amen. 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 Et invoquez-le. Ils ont évoqué. J'aime beaucoup Élie. Il était tranquille, il dit bon, peut-être qu'il est parti. Si c'était toi avec la foule, on dit, mais ils sont tellement nombreux, oh Dieu est avec eux. Non, ne croyez jamais cela. Amen. Dieu est seul, Dieu est avec toi. Il paye des millions là-bas, Dieu n'est pas avec eux. C'est pourquoi quand vous regardez les foules aux États-Unis, des grandes assemblées, où il y en a tellement, oh Dieu est dans la chose, effectivement, ne croyez jamais cela. Toutes ces foules-là ne valent rien. L'évangile des prospérités, ceci et cela. Frères et sœurs, où est-ce que j'irai avec la prospérité alors que je perds mon âme? Amen. Oh, il faut que vous ayez de l'argent. Les dieux donnent de l'argent, mon frère et ma sœur. Ça, c'est l'évangile à chancellerie, ça. Amen. Il n'y a rien de Dieu dedans. Je veux la parole qui fait vivre mon âme. Amen. Oh, il est vrai. Là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur, effectivement. Pas les choses de la terre. Amen. Le maître l'a dit. Vous les entendrez, ça ne va pas aller comme cela, frère. Ils vont dire non, il va donner. Et comme l'homme aime bien le matériel, il tira avec sa roue. On dit, oh, voici notre église est grande. Mais ce sont des pierres et des bâtiments. Quand je veux mourir, vous m'enterrez dedans? C'est par ça l'église que notre Seigneur a dit. Il a dit, je bâtirai mon église, pas la leur. Ça, c'est leur église, effectivement. Mais le Seigneur a son église. Et moi, je ne cherche pas à être membre de ces églises-là. C'est pourquoi ils sortent éliminés. Amen. Moi, je vais être membre de l'église dont Jésus-Christ est le pasteur. Amen. Alléluia. Donc, il y a le pasteur, le fondateur, le bâtisseur, le conducteur, le tout. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Amen. Moi, je vais être dans son église. Amen. Dans son église et chanter là-dedans. Amen. Oh oui, là, je suis sûr et certain. Amen. Et dans cette église-là, je suis là où Dieu se trouve. Amen. Il dit, mais criez, pleurez, faites tout ce que vous voulez. Ils se sont lacérés, effectivement. Ils étaient tellement si nombreux. Il était sûr et certain. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, sois sûr et certain de toi. Amen. Oui. Ne tremble jamais parce qu'ils sont plus nombreux que toi. Amen. Parce qu'ils ont des grands bâtiments avec ceci, c'est le socle de pierre. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Amen. Toi, ce qui doit t'intéresser, toi,
C'est ce qui intéresse Dieu. Amen. Il a dit à Jérémie, « Que vois-tu, Jérémie ?» Il dit, « Je vois les branches d'amandier. » Il dit, « Tu as bien vu, Jérémie, parce que moi, je vais sur le miracle. » Non, monsieur, sur ma parole. Amen. Alléluia. L'élu sait une chose, que si j'ai la parole, les miracles vont venir, monsieur. Alléluia. Si j'ai la parole, le Seigneur sera là. Amen. Amen. Donc, l'élu connaît ce qui est essentiel. Amen. Il ne perd pas son temps dans les choses comme le bruit et divagation à gauche et à droite. Non, monsieur, c'est la chose la plus importante qu'il a. Et lui, il le savait. Il le regardait. Il dit, mais qui est très fort. Il dort, peut-être il est parti en voyage. Il a oublié sa valise. Il peut revenir. Peut-être qu'il dort, crier plus fort, il va revenir. Oh, balai, dit, pas de problème. Il était. En fait, il était serein. Amen. Il a attendu. Pourquoi il attendait? Il attendait les temps du soir, conformément au Seigneur. Alléluia. Toi, demeure dans la parole de Dieu. Amen. Frère et ma soeur, c'est là ta victoire. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes cherchent la sensation, toi cherches la réalité. Amen. La vérité, donc la réalité, c'est que Dieu avec toi. Amen. Donc je me tiens là, je sais Amen. Que je ne suis pas seul. Alléluia. Le Dieu de la Bible est avec moi. Amen. Amen. David le savait. Alléluia. Et puis au moment de l'offrande du soir, c'est maigri. Amen. Il dit, mais là, venez, venez, venez. Vous avez crié, vous avez fait beaucoup de bruit, rien ne s'est passé. C'est sûr et certain. Ils font tellement de bruit, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a rien comme vie là-bas. Les hommes sont comme cela. Finalement, ils sont arrivés à dépenser les prospérités. On parle seulement. Ah oui, maintenant on a besoin d'argent, il faut. Alors, vous voyez, les gens viennent avec des baskets d'argent, on met effectivement toujours rien que l'argent. Rien que l'argent, 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 l'argent. C'est bon. Ils deviennent. Vous entendez là-bas, j'ai entendu des pasteurs qui sont des millionnaires. Je me suis dit, là, oui, il y en a un qui a seulement c'est 700 millions ou 800 millions. Et je regarde, je dis, Seigneur Jésus, les Lévites, quand ils étaient sur la terre, je n'ai pas vu la richesse des Lévites. Que ce soit Moïse, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ça, c'est évangile d'art. De la richesse des prédicateurs, ça vient d'où? Parce que quand même, nous devons être sur le fondement et sur l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas vrai? Amen. C'est écrit, non? Amen. Donc on a quand même un modèle dans les Saintes Écritures. Nous ne serons jamais des mendiants. L'argent, Amen. Nous l'aurons. Amen. Les vêtements, nous l'aurons. Amen. Maison, nous aurons. Amen. Voiture, nous aurons. Sûr et certain, ma soeur, mon Amen. Frère, tu ne vas pas manquer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'or et l'argent vont partir. Amen. Nous ne mettons pas notre accent, notre cœur dans les choses comme l'argent et tout ça. Nous cherchons le principal. Amen. 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 Oui. Richesse, l'accessoire. Mais quand tu as l'accessoire. Maintenant, je me dis, mais. On va revenir vite à l'année. Je me dis, mais. Ce que j'ai entendu, ils ont de Dieu. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est leur bien, pas mon problème. Ça, c'est le conseil. Mais en fait, quand ils vont mourir, tous ces millions-là qu'ils ont sur. 700, parce que je me pose la question, je dis, tu as 700 millions d'euros, 700 millions. Parce que c'est la concurrence que j'ai là-bas en Amérique pour savoir quel est le pasteur qui a beaucoup d'argent. Ce n'est plus question de l'évangile, hein, c'est question de celui qui a beaucoup plus de moyens. C'est pour ça, vous voyez, sous les chaînes que vous avez là, il y a beaucoup d'espace, ils payent beaucoup d'argent comme les commerçants. Vous entendez ça? Les commerçants pour qu'on leur fasse passer tout ça, pour voir effectivement les sophistiqués, les sentiers du monde. Et comme l'homme aujourd'hui n'a pas Dieu, il n'a simplement que les sociales, ça passe. Et toi aussi, tu te laisses séduire effectivement dans cela. Oh, comme il n'y a rien du tout, c'est du vent.
Amen. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est ce que l'Évangile avait réellement prédit pour ce temps. Beaucoup vont tomber dedans. Regardez bien. Mais très peu pourront s'échapper. Le Seigneur l'a dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Toi, de quel côté tu te trouves? C'est ça la question que je te pose. Il m'a crié fort. Peut-être qu'il dort, bien il est parti en voyage, il va revenir. Ils ont crié, ils étaient très nombreux. Ils ont crié, et puis il était tranquille. Puis au moment de la fin du soir, il dit, approchez-vous. La première des choses qu'il a fait, c'était la parole de Dieu. Il a restauré, il a rétabli l'autel. Parce que tu ne peux pas offrir l'offrande à Dieu sans que l'autel soit rétabli. Amen. Et puis il dit, mais venez. Et puis demain, il dit, versez de l'eau. Il faut laver quand même des sacrifices, messieurs. Amen. Donc, cet homme faisait les choses selon la parole de Dieu. Amen. Et il savait que quand c'est la parole de Dieu, Dieu est là. Amen. Et puis il dit, mais versez encore. Il dit, mais cet homme, il est fou. Une fois, on peut comprendre. Non, versez encore. Et l'eau a tellement débordé que ça qu'il était dans l'eau. En fait, il baignait dans l'eau. Les pierres et tout ça pénètrent dans l'eau. Il dit, mais comment est-ce que le feu va brûler ça? Il dit, maintenant, il dit, éternel notre Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Et que je suis ton serviteur. Et que tout ça, je l'ai fait selon ta parole. Alléluia. Là, la cœur de Dieu t'est touché. Il dit, mais, oh Dieu, réponds-moi. Réponds-moi, éternel. Ces peuples sachent que c'est toi qui avais leur cœur à toi, selon ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Le feu est descendu. Mon frère, garde la parole. Amen. Le miracle va te suivre le ciel. D'abord, la parole de Dieu. Amen. Tout ce que vous voyez avec ces hommes-là, la télévision, Internet, ils sont tous des faux prophètes. Amen. Des gens possédés par l'esprit satanique. Amen. Ils sont démoniaques. Ils travaillent avec des démons. Il n'y a rien de Dieu. C'est pourquoi n'étendez plus vos oreilles à ces choses. Vous vous souillez, messieurs. Amen. Le monde peut le faire parce qu'il cherche la sensation. Vous, vous ne cherchez pas. Vous, vous cherchez la réalité. Amen. Parce que quand la parole de Dieu est là, il descend. C'est sûr et certain. Ils vont aller à gauche et à droite. Ils ne trouveront jamais la parole de Dieu. C'est sûr et certain. Il a dit, moi, vous savez que le Seigneur a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il ne donnera sa gloire à personne. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre gloire. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, regardez les choses. Quand nous entendons ici la parole de Dieu et que nous entendons qu'on nous dit que nous devons recevoir le Jésus de la Bible, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est à prendre vraiment avec respect. Parce que le Jésus de la Bible est différent du Jésus Amen. Des églises. Amen. Amen. Le Dieu du ciel n'a rien à voir avec le Jésus des églises. Amen. Il a à voir avec le Jésus de la Bible. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que au commencement était la parole. Amen. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Donc, le Jésus de la Bible, c'est la parole de Dieu manifestée. Amen. Pas celui des hommes, mais de la Bible. Amen. Amen. Chaque église dénominationnelle, ne vous trompez pas, a son propre Jésus. Amen. Sûr et certain. C'est pourquoi l'élu qui s'est trouvé dans l'église dénominationnelle
gardé comme le feu. Quand il l'a entendu, où est-ce que, écoutez très bien, frère, où est-ce que le Jésus de la Bible se trouve aujourd'hui? Dans l'âge de la Odyssée, le Jésus de la Bible, il est dehors. Amen. C'est pourquoi le Christ dit, sortez du milieu de mon peuple. On va le raconter où c'est? En dehors des camps, monsieur. À l'extérieur. Parce qu'il n'est pas dedans. Les églises l'ont rejeté. Alléluia. Mais oui, monsieur. Amen. Mais oui, madame. Ils ont leur Jésus, ils sont suffisants, effectivement, avec les leurs. Mais celui de la Bible, il est dehors. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. À l'extérieur. Rejeté. Alors sort. Amen. Voilà les qui est dit, sortez du milieu de mon peuple. Donc toi, tu étais là-dedans. Tu as entendu la voix de qui? Mais de Jésus de la Bible, monsieur. Amen. Amen. Les grands textes qui appellent ces égaux. Amen. Oh oui, monsieur. Là, les choses vont changer avec toi. C'est pourquoi les édits universels, ils ont un esprit. Un esprit qu'on appelle dénominationnel. Pourquoi? On parlait de nom de blasphème. C'est ça le nom de blasphématoire. Tu me poses la question, es-tu chrétien? Il te répond directement. Je suis baptiste. Tu as la réponse? Il te dit de qui il est né. C'est vrai? Il est né baptiste parce qu'il est dans l'église baptiste. Donc il est baptiste, il n'est pas né de Dieu. Amen. Es-tu chrétien? Parce que quand tu parles de chrétien, ça va pas avec Christ. Hein? Amen. Dis, oh, je suis baptiste. Je suis catholique, je suis pentecôtiste, effectivement. Donc tu dis effectivement de quelle semence tu es. Amen. Mais quand tu es sorti, amen. Tu as rencontré le Jésus de la Bible manifesté au temps du soir. Amen. Amen. Oh, la chose de Dieu, tout à fait différente. Amen. Hier, tu étais baptiste. Mais maintenant, quand tu es sorti, tu es né de lui, monsieur. Amen. On te pose la question, qui es-tu? Mais madame, je suis chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La chose est différente. Amen. Hier, tu étais dans l'événement, par-t'en, comme ça peut être, comme ils sont effectivement comme des clowns, des jokers, effectivement. Ils sont, vous connaissez, non? Et les femmes n'en parlons pas comme la garde du Nord. Oh, Jésus, nous aimons. Ça, c'est Jésus qui dit, effectivement. Il ne change pas les gens, c'est Jésus-là. Mais quand toi, tu sors, tu as rencontré. Alléluia! Ta nature change, monsieur. Mais Jésus de la Bible, la parole de Dieu, change les hommes. Et ta nature est changée, messieurs. Amen. Il n'y a aucun autre homme qui peut te changer. Amen. Vraiment, amen. Quand lui t'a changé, oh, tu sais où tu en es. Amen. Oh, mais tu sais que je suis déjà un miracle moi-même. Amen. Comment je suis effectivement par la parole? Il y a quelque chose qui s'est passé en toi, monsieur. Amen. Alors, là où toi tu es tout, parce qu'il t'a appelé. Amen. Lui, il t'a appelé toi. Amen. C'est pas quelqu'un qui t'a dit. Non. Lui, amen. Ça fait une très grande différence. Alléluia. Amen. Quand toi, tu entends la vie, mais oh, je suis le Christ, tu sais toi-même que c'était un faux. Pourquoi? Parce que tu connais le vrai. Amen. Le vrai t'a appelé. Amen. Et quand tu l'as rencontré, ta vie a changé. Amen. Amen. Tu l'as rapporté aussi en dehors, parce qu'il t'appelle dehors. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui a rencontré Christ dans ce temps du soir, la parole de Dieu en soi, il ne peut pas vivre dans une église dénominationnelle. Ce n'est pas possible. Non, monsieur, ce n'est pas possible. Que j'ai reçu la parole, c'est comme un chien qui a retourné ce qu'il a fait faux. Amen. Vraiment, amen. C'est comme on a pris un... Vous savez, un cochon là, on l'a lavé, on l'a bien habillé, n'est-ce pas? Puis on dit, ah, bon cochon, assieds-nous au salon avec nous.
Là, on va manger effectivement quelques temps après. Il est dehors, poussé. Tout saute, ce qu'on avait. Mais c'est pas possible, mais. Alléluia. Amen. Quand Christ, notre Seigneur, le Jésus de la Bible, a touché ton âme, tu vas pleurer. Amen. Non, monsieur, parce que l'aigle a trouvé sa nature, sa nourriture, monsieur. Amen. Il ne peut pas l'hypothéquer. Pas possible. Amen. Ce qui fait que tu es un élu, c'est l'amour et la parole de Dieu. Amen. Amen. Le désir de s'approcher, pas regarder la foule, mais regarder ce que Dieu fait. Amen. Mais quand il le fait, tes yeux à toi sont sur la parole. Amen. Que disent les saintes écritures? Amen. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi tu as toujours ce désir de que disent les saintes écritures? Mais c'est parce que tu es une parole, pas dit la parole de Dieu. Sur le Saint, l'appel du Seigneur a dévoilé ce que toi tu es. Amen. Il a fait de toi ce que tu es devenu. En fait, c'est ce que tu étais depuis les temps anciens, mais tu ne savais pas. Amen. Et lui a manifesté. Vous voyez, pourquoi je le disais, pourtant, on ne peut pas supplier un frère qui a vraiment reçu Christ en soi de venir à la salle. Amen. Non, on ne peut pas supplier, frère, comment c'est? Non, on ne peut pas le supplier. Amen. Non, parce que quand cette parole traverse ton âme, il y a l'amour qui sort. Amen. Quand Amen. Toi, tu es amoureux d'une femme, d'une soeur, je ne sais pas, d'un frère, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Ce n'est pas le désir de le voir tous les jours. Amen. Amen. Bon, il ne faut pas être silencieux. Hein. J'ai su, je parle en général. Vraiment. Amen. Il faut répondre en général. Il ne faut pas dire, je dis non. Quand vous aimez quelqu'un, et on passe cette flamme, il faut que l'heure arrive que je le vois. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Je suis un certain frère, c'est normal. L'amour au bout dans le cœur, effectivement, je voudrais que ce soit l'heure, je veux le voir, je veux la voir, je veux la voir, évidemment. On ne va pas te supplier, et s'il te plaît, va la voir. Non, ouh là là, tu es pressé. Vraiment. Et tu commences à regarder l'heure. Quand toi, tu passes, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, quand tu vois le cœur, fait boum, 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 boum. C'est normal, monsieur. C'est ça l'amour. Amen. Et quand Christ est devenu le vôtre, vous l'aimez tellement au-dessus de toutes choses, monsieur. Amen. Quand c'est le jour de la réunion, monsieur, c'est le plus beau jour. Oui, monsieur, vous savez, les autres jours ne sont pas des jours pour nous. Les jours, c'est les jours où nous avons réuni. Elle a dit, mais je vais dans sa maison, je vais le chanter, je vais le glorifier, je vais l'adorer, parce qu'il est bien. C'est beau.